les Français veulent des dirigeantes, c'est pas moi qui l'exprime, même si évidemment je le souhaite également. C'est le constat d'un article du magazine Challenge. Oui, les Français, j'ai bien dit les Français, et pas simplement les Françaises, veulent plus de femmes dirigeantes. Alors, la question pour ce PPV Morning Show exécutive 606, et si tu arrives maintenant et que tu n'as jamais vu de Morning Show, ça veut dire que tu en as raté 605. La question c'est, est-ce que les femmes, et notamment les femmes dirigeantes, sont attendues à bras ouverts dans les entreprises au niveau des postes de direction? Alors, oui, on peut s'attendre à ce que la loi sur les quotas dans les COMEX, qui impose aux entreprises de passer de 30% de femmes en 2026 dans les COMEX, que dire, puis à 40% en 2029, on peut se dire que cette loi va fonctionner, de même que celle pour les conseils d'administration qui a fonctionné, qui a fait passer le pourcentage de femmes dans les conseils d'administration en France de 12%, 13% en 2010 à 45% aujourd'hui. Donc, on a même fait du zèle dans les conseils d'administration. Alors, oui, et ça va fonctionner, mais autour de la table, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rajouter un strapontin pour que tu t'assoies, parce que c'est ce qui se passe dans pas mal d'entreprises. En fait, on élargit les conseils d'administration, on élargit les COMEX, que dire, pour faire rentrer les femmes, plus qu'on ne remplace des hommes par des femmes. Donc, évidemment, sur ton strapontin qu'on vient de mettre pour que tu prennes place, on va te faire comprendre que tu es attendu au tournant. On va te demander deux fois plus. On va te considérer comme une éternelle bisu parce que tu es femme et que finalement, tu n'as rien à faire là, dans le milieu de l'entreprise et encore plus à des postes de direction. Donc, j'ai envie de dire aux entreprises, il va quand même, à un moment donné, falloir régler ce problème. Parce que les femmes, il y en a. Les femmes compétentes en entreprise, maintenant, il y en a. Donc, si j'arrive pas en tant qu'entreprise à faire monter celle que j'ai, ça s'appelle soit de la mauvaise foi, soit de l'entre-soi masculin, entre autres, soit carrément du machisme, quoi. Parce que, alors oui, les femmes demandent des choses. Oui, d'accord, elles demandent des choses en entreprise, au-delà du salaire égal. C'est vrai, elles demandent moins de présentéisme, elles demandent de la flexibilité, elles demandent de l'autonomie, plus d'humanisation de l'entreprise. Oui, elles demandent tout ça. Mais en gros, ces demandes, c'est aussi ce que demandent les générations Y, Z, qui s'en vont d'ailleurs, elles, qui s'en vont, qui font un aller-retour, elles arrivent, oups, ça repart, elles s'en vont sans attendre 20 ans de carrière pour finir au bout du rouleau. Tu vois, elles viennent, elles voient que ça ne leur plaît pas, l'histoire, et elles repartent. Donc, entre les femmes qui ne sont pas accueillies, pas entendues, pas reconnues, et qui, au bout de certaines années, disent, bon, ben, j'en ai marre, je m'en vais, comme dirait l'autre, je me lève et je me casse. Et ben, les Y, entre ces femmes-là et les YZ, filles et garçons, YZ, qui s'en vont aussi, il va quand même falloir, en entreprise, faire quelque chose. Parce que ça signifie que l'environnement, aujourd'hui, en entreprise, bon, ben, il fait pas rêver. C'est moins qu'on puisse dire. Donc, les entreprises me demandent souvent, comment faire monter les femmes dans les postes de direction? Évidemment, je leur propose des plans d'action qui fonctionnent, bien heureusement. Mais au-delà de ça, il faut quand même que l'entreprise résolve le fait qu'elle crée aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de stress pour ses salariés et quel que soit le niveau hiérarchique, et en particulier pour les dirigeants. Donc, 44%
des salariés sont en détresse psychologique, ça n'est pas acceptable. Cela signifie que l'environnement tel qu'il est aujourd'hui dans l'entreprise est nuisible et toxique. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est même pas acceptable, mais en plus, c'est complètement contre-productif. Car pour bien travailler, pour être performant, chaque salarié a besoin de pause. Bah oui, quand on est femme dirigeante en particulier, bon, homme dirigeant c'est pareil, à l'image des grands sportifs, il faut des temps de récupération. Et c'est ces temps de récupération qui permettent d'augmenter la performance des sportifs et qui, de fait, permettra aussi d'augmenter la performance des dirigeants. Donc, si l'entreprise était un petit peu sioux quand même, il serait temps de prendre en compte ces temps de récupération et d'arrêter de mettre constamment ses cadres, ses dirigeants et puis dans la globalité ses salariés en pression constante telle qu'ils la ressentent aujourd'hui. Donc, les entreprises, je m'adresse à vous, aujourd'hui, les Français, hommes et femmes confondus, veulent des femmes dirigeantes. Allez-vous enfin les accueillir de façon à ce qu'elles restent et qu'elles aient envie de développer des carrières chez vous. Voilà, c'était PPV Morning Show 606 exécutive, PDF ressources avec tous les liens vers les études gratuitement dans les liens que vous allez trouver. Et je vous souhaite une excellente journée, mesdames.